Je pense que je suis quelqu'un au cours des années qui a beaucoup travaillé sur ma perception de moi-même, ma perception de mon corps, comment je me sens avec moi-même. Puis soudainement, avec le confinement, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir dû refaire, me réhabituer en tout cas à vivre avec mon corps. Parce qu'on s'habitue beaucoup quand on parle de diversité corporelle, tout ça, à vivre avec le regard extérieur. Mais dans un contexte de confinement, c'est comme l'inverse. C'est qu'on s'habitue à vivre dans un contexte très solitaire. Tu sais, dans mon cas à moi, j'habite avec quelqu'un, j'ai mon copain, mais n'empêche que soudainement, toute la journée, on est avec nous-mêmes, on est avec notre corps, on est confronté un peu à ça. Puis je pense que ce contexte d'isolement-là nous rend beaucoup plus vulnérables. En tout cas, là, je parle d'une expérience personnelle, mais nous rend beaucoup plus vulnérables à notre image. Tu sais, de se voir dans le miroir, évidemment, on sort moins, peut-être qu'on s'arrange moins, peut-être qu'on a l'impression d'être plus en mou. Puis souvent, on fait des associations erronées entre ce mou-là, ce pas maquillé, ce pas arrangé, ce nanana, et le fait qu'on n'est pas correct, qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on se laisse aller, alors qu'en réalité, c'est peut-être une grosse forme de self-care qu'on essaie de faire, de dire, ben regarde, aujourd'hui, je reste chez moi toute la journée, je sors pas, ben aussi bien mettre quelque chose dans lequel je suis confortable, aussi bien être bien, sauf que c'est comme si notre cerveau associait ce être bien-là avec un laisser-aller qui était négatif. Puis je trouve que ça paraît beaucoup dans notre relation avec le miroir. J'ai découvert que j'étais très critique envers moi-même. Là, tu sais, j'ai pas de maquillage, ben tu sais, mon acné, soudainement, ça devenait un peu envahissant. Là, je me regardais, j'aimais moins ce que je voyais. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est une relation de proximité tellement exacerbée avec nous-mêmes qu'on en devient hyper critique, qu'on oublie que tout ça ne change rien, rien, rien à notre valeur. Pour certaines choses plus faciles, au niveau des jambes, on dirait que se laisser aller là, cette relation saine avec le poil, soudainement devenait plus facile, parce qu'on a comme l'idée que vu qu'on sort pas, on a moins ce besoin-là, quelque chose que j'essaie de déconstruire de toute façon en temps normal, mais qui là, soudainement, devient facile. Tandis qu'au niveau, je dirais, facial, dans mon cas, je me suis rendu compte que c'était un peu un struggle en confinement. Peut-être dû au fait, justement, que j'ai l'impression de me voir plus. J'avais tendance à souvent, là, si je sentais du poil ici, à vouloir comme l'arracher. Puis j'ai compris que j'avais une espèce de relations weird avec mon poil en ce moment. Fait que je pense que mes poils, cette année, pour moi, va être super important pour un peu refaire la paix avec ça. Je vais travailler surtout là, au niveau facial, à arrêter d'en faire un peu un tic nerveux, une anxiété où j'ai l'impression que chaque poil, je dois l'enlever alors que mon poil est tout ce qu'il y a de plus naturel et qui a sa place sur mon visage, sur mes jambes, sur mon pubis, s'il a le droit d'exister. Fait que c'est une relation avec laquelle je continue de travailler un jour à la fois, parce que le confinement, c'est un peu ça. C'est un jour à la fois. Puis on va y arriver.